Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring pour voir retrouver la panoplie, tout le set d'armure complet du chevalier limier. Et pour ça, il faut se rendre au nord-ouest d'Elden Ring, tout en haut, au mont Gelmir. On va partir du feu qu'il y a ici, pont de l'Iniquité. C'est à l'entrée du pont du mont Gelmir. D'accord. On accède depuis Altus en suivant la route, tout simplement. Ok. Jeune TP. Va être long cette vidéo, je sens. Hop, et suivez bien le chemin de mon personnage. On va longer la gauche jusqu'à tomber sur une échelle. Ici. Hop. Après avoir monté l'échelle de 8000 mètres, on remet le cheval et on va à droite. Ok. Et on va continuer d'aller sur la droite. On va aller tout au fond. Et là, on voit qu'il y a un bâtiment. Et c'est la catacombe dans laquelle on va aller. Et ça va être un peu technique de récupérer l'armure en question. J'espère que je vais faire ça d'une traite. Parce que ce n'est pas la récompense du donjon. La récompense du donjon, c'est une cendre. On va chercher, c'est en plein milieu. Hop, là il y a le feu, on sauvegarde au feu. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il va falloir éviter le chariot qui nous roule dessus. On a quand même le temps de descendre et on va aller sur la droite parce qu'à gauche il y a trop de squelettes. Hop. Comme ça, il reste au milieu de la route. Et le wagon va les écraser. Voilà. On tue les squelettes. On va attendre que le chariot aille tout en haut. Ne vous inquiétez pas, la lave fait très peu de dégâts. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est juste de la lave en fusion. C'est tout à fait normal de marcher pieds nus dedans. Hop, on descend. Et c'est là que ça va être technique. Déjà, on va tuer les squelettes, faut pas se faire emmerder. Le chariot va faire le taf comme il faut. Et là, il va en bas, on descend. On va peut-être aller là au bord. Ok. Et du coup, il va falloir sauter dans le gouffre ici et atterrir sur une planche. Je pense qu'on a le temps des deux côtés, hein. Ouais, des deux côtés, on a le temps. Ok. On va au fond là. Et puis, bah. Ouf. Là, c'est un peu du plouf-plouf, hein, je vous avoue. Là, on va essayer de faire une petite roulade ou de sauter. Hop, pour passer par la fenêtre. Et là, on a un chevalier limier. Il faut le tuer, il est vraiment pas très fort. En tuant le chevalier limier, on va avoir sa panoplie. Voilà.
Et en récupérant ce qu'il y a sur ce corps, on a la panoplie du Mont Gelmir. Donc on a deux panoplies. Et après, bah, il faut reprendre l'échelle et se laisser tomber au plus bas. Hop. On saute par la fenêtre. Et là, regardez en bas. La fin du donjon, elle est en bas. D'accord? Il faut courir dans la lave, vous inquiétez pas, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ok, en tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!